Mais il faut croire une seule chose, que c'est Jésus qui délivre, c'est pas le prophète Crasso. Nous levons la main et nous commençons à prier. Levez la main. Je prie que la puissance de Dieu. Je prie que la puissance de Jésus-Christ. Je connais. Et là où te trouves, que la puissance de Jésus-Christ. Dieu déploie une action ce matin. Et cette action, pour te délivrer ce matin. La puissance de Jésus-Christ vient jusqu'en toi. La puissance de Jésus vient jusqu'en toi ce matin. Et Jésus vient encore. Non, je la lâcherai pas. Non, 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 non.
Continue de prier. Lâchez-moi. Je suis venu parce que tu as un problème. Je peux le présenter à Jésus, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Je suis venu. Lâchez-moi. Il faut continuer de prier. Lâchez-moi. Que Dieu t'assiste. Pour que Dieu te délivre. Lâche-la, Seigneur. Tu vas la libérer. Non. Si. On est trop. Si. Non. Peu importe le nom. Non. Peu importe le nom. Tu vas la libérer. Si. Non. Sa cousine la conjointe. Elle dit que tant qu'elle ne me pas pardon là, elle ne lâcherait jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit que c'est indien fait que avec le père de son enfant là, ça va plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Mais elle croit que c'est elle d'avoir cassé son couple avec son ex. Elle a pris le téléphone un jour, oui, quand son copain a appelé à la maison, oui, pour dire que elle est sortie avec un autre gars. Ah, d'accord. Et c'était pas elle, c'était son fils qui avait parlé. Oui. Mais elle, elle a cru que c'était Christelle. Oui. Donc elle dit que parce que Christelle a gâté son couple là, elle aussi, elle va gâter son couple. Donc c'est ce qu'elle fait. Et jamais ça n'ira dans son couple. Jamais ça n'ira dans son couple. L'homme avec qui elle est là, elle va pas rester avec lui éternellement. Parce que je m'y oppose. Et oui. Et là, elle est enceinte de son deuxième enfant de lui. Mais ils ne feront rien ensemble. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça ne changera pas. Ah bon. Et oui, voilà. Je comprends mieux le langage que vous. Moi, je suis dans la délivrance. Tu me dis, tu m'interprètes ce qu'elle est en train de dire. Je comprends mieux que toi. Moi, je dors dans la délivrance, je me réveille à ça. Je comprends le langage des sorciers. Je sais ce que ça veut dire. Tu vas la libérer. Je ne peux pas. C'est un ordre. Mais je peux pas. Si, tu vas l'exécuter. Je peux pas. Dans le nom de Jésus. Ah non. Si. Ah non. Tu vas l'exécuter. Ah non. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce corps. Ah non. Ce corps n'est plus pour finir pour toi. Réfléchis-toi. Au nom de Jésus, tu vas lâcher sa vie. Je ne peux pas. Si. On me l'a donné. Et tu vas lâcher sa vie. Je ne peux pas. Tu vas lâcher sa vie. Elle a demandé pardon. Ah non. Le sang de Jésus-Christ est versé pour elle. Pour le pardon de elle et son péché. Elle n'a pas te demandé pardon. Tu vas lâcher sa vie. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu dois l'exécuter. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le feu est sur toi, Père. Le feu est sur toi, Père. Non, à partir d'aujourd'hui, tu ne compteras plus sa vie. Tu ne compteras plus sa vie. Tu ne compteras plus sa vie. Mais fais n'importe quoi à cause de moi et ça ne changera pas. Je ne peux pas partir. Parce qu'on me l'a donné. La puissance.
Jésus. Et tu es voilà, tout seul. Tout ce que tu as mis sur elle, quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais ses enfants, ils sont à moi. Non. Non, 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 la puissance de Jésus-Christ, au nom de Jésus, lâche sa vie, tu la libères maintenant, tu la libères maintenant, au nom de Jésus, lâche sa vie, c'est un ordre, lâche sa vie. Si vous avez fait comme ça, vous pensez que le prophète m'a imposé la main, donc n'allez pas le faire à la fin, vous êtes mal barré, vous venez pour les spectateurs, nous sommes à l'histoire de prière. De
Tu vas libérer son âme. Tu vas libérer son âme. Les gens suivent. Les gens suivent. National. Lâche-la. On va coucher sur son dos. Mettez-la en scène. On va la coucher sur son dos. La puissance de Dieu, lâche-la, allez, va-t'en. Lâche-la. Vous êtes assis et priez pas pour moi. Vous êtes assis et priez pas pour vous. Vous n'êtes pas venu sur les spectacles. Vous êtes venu prier, on vous demande de prier. Vous êtes assis. Thank you.
La chérie, au nom de Jésus,
sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes, 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 tu m'aimes
Je fais quoi?
Un mal qui passe de votre dos, ça marche, vous avez l'impression que quelque chose marche, c'est deux femmes énormes, vous avez l'impression que quelque chose marche de votre dos et ça descend vers les pieds. C'est beau? Mais voici, papa. C'est un truc mystique. Je suis dedans aussi. Et Jésus va vous guérir. Je sens que trois soeurs ont été fusillées en rêve, ça fait maintenant deux mois. Quelqu'un vous a fusillé en rêve. Oui. Quelqu'un vous a fusillé. C'est vous? J'ai une parole pour vous. L'esprit de mort s'est déjà saisi de vous. Et vous n'allez pas achever le monde d'août. Ça, c'est ce que le diable a décidé. Ce n'est pas ce que Dieu a écrit. Amen. Demain, ça va beaucoup chauffer. Parce qu'on va rentrer dans la délivrance. Vous devez croire une seule chose, que Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas encore changé pour toi. Il peut encore te guérir. Il peut encore te délivrer. Amen. Et ça passe où? Et ça vient où? Le mal? Le dos? Que vous soyez derrière, que vous soyez devant. C'est la même chose. Que vous soyez devant, que vous soyez derrière. Jésus vous visitera. Et n'imitez pas la main de Dieu. Ce n'est pas Crasso qui guérit. Je préfère du Crasso quand il est prophète avant son propre. Ce n'est pas Crasso qui guérit, c'est Jésus. Il peut encore te guérir. Moi je crois parce qu'il m'a puissamment guéri, il m'a puissamment délivré. J'ai vu des personnes qui dialysaient. En une journée, Jésus-Christ a guéri. Et qui ne dialyse plus. Il y a au moins plus de 500 personnes. Il y a le témoignage de plus de 500 personnes qui dialysaient. Et nous avons prié le Seigneur puissamment guérir. Le Seigneur peut vous guérir encore. Nous avons prié pour une personne qui avait des prothèses dans le dos. Victime d'accident qui avait des prothèses dans le dos. Et que Jésus-Christ a puissamment guéri. Il va faire les examens. Les prothèses ont disparu. Et les os, Dieu a remplacé les os. C'est un puissant miracle de Jésus-Christ. Jésus peut encore vous guérir. Amen. Amen. Nous venons à peine d'introduire, ça c'est vraiment important. Et aujourd'hui, à partir de 17h, c'est la mise en place, il faut que vous soyez là. Voilà, il faut que vous soyez là pour qu'on attaque toute forme de situation dans votre vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécial délivrance. Voilà, aujourd'hui, nous venons d'introduire, c'est comme si on introduit un programme, on va doucement. Mais samedi aujourd'hui, nous allons aller délivrance. Il y a Amen. Tellement d'esprits à chasser, donc Amen. On va doucement. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose... Voilà, il faut commencer doucement. Tout bien fini. Alléluia. Amen. Et pourquoi que Jésus te guérit? Devez toucher la main, la partie qui vous fait mal. Et je prie que la puissance de Jésus te touche. Son onction te touche. Là où tu es arrêté, le miracle de Jésus s'approche de toi. Et cette grâce te visite maintenant. La grâce de Dieu te visite. Merci Jésus.
La famille de la prière, c'est le Saint-Esprit de Trois-Temps dans ta vie. Je demande à ce démon qui te fait bouger derrière. Ce démon de dragon. Merci, je
toucher, appelle les filles. Tout faisait pas. Jésus vient me toucher. Lâche-la. Lâche-la. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Il va te toucher, il est là, il te touche déjà dans ton âme, il te touche. Si tu crois, si tu crois, tu vas te et toucher. Elle est là. Il va. Lâche-la. 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 Le feu. Tu chantes de Jésus-Christ, tu désarmes. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Lâche-la.